Tout le blanc, tout du barbecue. Aujourd'hui, on se fait une super bonne recette de pain de viande. Il fait super chaud dehors, pas question d'allumer le four dans la maison. Oh que non! Fait que j'ai du bon bœuf, ici, une livre de bœuf, une livre de porc. Là-dedans, là, bon, on met les ingrédients, je te dirais, assez classiques de pain de viande. C'est j'ai un oignon, tiens-toi. Un oignon moyen, je pas pris un gros, pas un petit. Ici, j'ai à peu près... Ça a l'air de faire beaucoup, là, mais c'est parce que je fais ça avec du Rice Krispies, c'est parce qu'on essaie de la chapelure sans gluten qu'on a besoin ici, vu que le caméraman ne tolère pas le gluten. Fait que on rajoute tout. Il y a à peu près 120 grammes de chapelure là-dedans. Ici, une cuillère à soupe, sauce Worcestershire. En plus là-dedans, ici, j'ai un œuf battu. On s'est battu à matin. J'ai gagné. Fait que lui s'en va. Dans le pain de viande. Une cuillère à soupe de sel, sel cachère. Si tu prends du sel de table, mais en pas tant que ça, ça va être salé en colline. Ici, j'ai une cuillère à soupe d'estragon. Estragon, là, moi, là, j'utilise ça d'habitude avec les fruits de mer, genre le homard, comme ça, mais mon chum Steven Reichland, gourou du barbecue, met ça, puis depuis que j'ai essayé, mais colline, je trouve ça vraiment bon. Une cuillère à thé de poivre. Puis ici, j'ai deux gousses d'ail. Maintenant, l'ingrédient secret, je suis le seul au monde, je suis le seul dans l'univers à faire ça. Je suis sûr que non. Fromage en crotte. On envoie ça dedans. Puis c'est pas mal ça. Fait que là, tu prends tes deux mains. C'est pas très gracieux, c'est pas très fun à faire. Moi, ça me dérange pas, mais il y en a qui me passent ça taponner dedans. Tu taponnes, tu taponnes, tu taponnes, jusqu'à ce que ça fait une super homogène. Je mets ça sur ma petite plaque, j'envoie ça dans le frigidaire. On se voit une fois que mon pain est fait. Laissez-moi taponner quelques minutes. Je vous montre qu'est-ce que ça donne une fois que c'est taponné ensemble de façon homogène. Bon, fait que là, j'ai fait mon pain de viande en forme de pain de viande. Il est là, il est beau, ça sent vraiment super bon. Mon fumoir. Pas besoin d'être précis, mais ben, tiens ça entre 250 puis 300. Or so. Fait que... Mon morceau de viande. Je mets ma sonde Wi-Fi. Bluetooth. J'amène ça à 165, 175 degrés interne. Mais là, entre-temps, on va se faire un petit glaze, on va peinturer ça, on va caraméliser ça. On se voit au fur et à mesure des étapes. Mais tout d'abord, j'ai des morceaux ici, je pense que c'est du cerisier. J'ai tout mélangé mes essences dans un plat que je sais plus trop. Fait qu'on envoie ça dans le feu, pour que ça fume. Puis pendant ce temps-là, moi, mes températures sur ma tablette parce que le truc est branché. Bon, fait que là, ça te prend une sauce là, pour peinturer sur ton pain de viande pour que ça soit comme sucré, caramélisé, cool. C'est plus à toute fin pratique qu'une sauce barbecue. Là-dedans, j'ai une tasse de ketchup. Ici, j'ai un quart de tasse de sirop d'érable. Poudre d'ail, là, il m'en reste presque plus. J'aurais mis genre deux cuillères à thé. Là, il m'en reste à peu près une. Fait que je mets ce que j'ai. L'oignon, je m'en mets une cuillère à thé. Vinaigre. Tu mets le vinaigre que tu veux. Mais bon, le vinaigre de cidre de pomme, c'est comme le vinaigre officiel du barbecue. Une. Deux. Tiens-toi. Sauce piquante, t'en mets ou t'en mets pas. Ici, j'ai une petite sauce d'herbe qui ressemble à du tabasco, en fait. C'est pas si puissant que ça, mais je vais juste en mettre... C'était une des moins d'une heure et plus, mais bon. Fait que je fouette ça ensemble, puis... Quand mon pain de viande va arriver pas trop loin de sa cuisson, je vais aller mettre ça à côté sur le barbecue. Juste pour que ça réchauffe, parce qu'on ne veut pas badigeonner quelque chose de froid sur notre pain viande chaud. Fait que je vais aller mettre ça
voisin de mon pain de viande, celui de mon fumoir. Puis on se revoit quand c'est le temps de badigeonner. Bon, là, je suis à peu près pas tout à fait 20 degrés de mon objectif de température. Je suis à 146, là, je veux 165. Fait que là, comme je vous ai dit tantôt, j'ai mis ma petite sauce à réchauffer, là. Là, je vais peinturer mon pain de viande. Intéresse le barbecue. Bon, je remets le couvercle. Je vais sûrement rebadigeonner quelques minutes avant que ce soit prêt. Là. Je veux 165, je vais rebadigeonner à 163. Genre. OK. On a atteint 165 degrés avec notre pain de viande, Gassa. Ça regarde bien. Je mets un petit peu de sauce, juste pour le fun. Je serais même pas obligé. J'entre ça en dedans, je mets ça sur le comptoir. Le temps que ça repose, parce que le temps de repos est aussi important que le temps de cuisson. Fait que, puis je vous montre une petite astuce pour votre accompagnement avec ça. Moi, je fais des haricots verts, vraiment le classique. J'ai des patates pilées prêtes. J'ai mon pain de viande, j'ai ma petite sauce. Puis on se fait des haricots verts avec ça. Bon, là, mes haricots. Fait que j'ai mon fumoir. Bon, je viens de sortir tout ça. Je tasse ça. Qu'est-ce que j'ai, là? J'ai mon charbon qui reste de ma cuisson. Bon. Puis je mets ça, là. Puis je prends ma poêle perforée. Là-dedans, haricots verts. J'ai coupé les queues. Huile d'olive, sel, poivre, poudre d'oignon. En général, j'aurais mis de la poudre d'ail, mais vous avez vu tantôt, je l'ai toute finie. J'essaye de faire le plus possible une couche de haricots. Ça sert à rien de virer fou. Fait que là, j'ai comme un mini grill. Pas besoin de starter l'autre. Non. J'avais déjà du feu. Fait que ça va prendre 5 minutes. Je vais brasser ça une fois de temps en temps. Juste le temps que ça crée des petites traces noires, que ça caramélise un petit peu, puis qu'ils viennent un petit peu tendre. Cuilez pas trop parce que des haricots verts tout mous, personne ne veut ça. On sort bout dans quelques minutes, tant que ça cuise. Bon, c'est le temps de servir. Évidemment, Pitmaster Privilege. C'est moi qui ai le bout. Je me suis mis une nouvelle tranche du milieu avec ça. La sauce. Tiens-toi. C'est assez de sauce en ce qui me concerne. Fait que nous autres, c'est notre souper. Fait que pain de viande sur le barbecue. Haricots verts. Sur le grill. Patates pilées. Essayez ça.